Yo, what's up la team perroquet, j'espère que vous allez bien car on est en 2016 et moi je pète la forme et je suis plus motivé que jamais à évoluer en cette nouvelle année à vos côtés où on va monter beaucoup d'échelons, je l'espère. Aujourd'hui je suis là pour vous présenter mon nouveau design de malade qui a été réalisé par mon poteau Deadpixel et je vous oblige tous un par un à vous abonner à lui sur Twitter, le lien est en première ligne tout en haut de la description. Vous vous abonnez pour le remercier de m'avoir fait un design de ouf comme celui-ci, vous allez voir c'est juste dingue. Et si vous avez besoin, vous lui passez commande pour un logo, une bannière, peu importe, ce sera vraiment pas très cher et vous ne regretterez pas son boulot malade, de toute façon vous allez voir dans la vidéo. Votre mission du jour est de trouver un nom à ma communauté en lien avec la nouvelle égérie de la chaîne qui est le perroquet ou avec GTA, c'est à vous de voir. En tout cas faites travailler votre cerveau et votre imagination pour me trouver un nom de communauté en commentaire, je compte sur vous. Et à la fin de la vidéo, n'oubliez vraiment pas d'aller follow Deadpixel et dites-moi en commentaire à tout prix, en plus de votre idée concernant le nom de la communauté, si vous aussi tout comme moi vous trouvez son boulot juste dingue et que le design est magnifique, je compte sur vous. Donc les gars, il m'a fait une mascotte, en l'occurrence c'est un perroquet tout vert comme vous pouvez le voir et c'est juste d'une qualité incroyable, on croirait avoir le perroquet devant nous avec tous les détails, c'est juste ouf. Et en plus de la mascotte, il m'a fait le logo donc avec le petit fond et une bannière qui elle aussi est juste dingue les gars, avec des détails de la ville de Los Santos qu'il m'a dessiné lui-même. Vous pouvez retrouver le Los Santos Custom en arrière-plan mais il me semble que sur la bannière il est caché par le Edit mais en tout cas il y est. On peut aussi voir la Munition, le panneau Vinewood et la boîte de striptease par exemple. Voilà, il y a vraiment plein de détails comme vous pouvez le voir. Et vraiment les gars, je vous le dis, il a bossé sur des designs pour Aiden, Unwin ou encore bien la salle que j'aime beaucoup, que je trouve vraiment très très joli. Mais celui-là les gars de design, il est juste ouf aussi. Et à mon goût, je trouve que c'est l'un des plus beaux designs de youtubeur GTA français. En tout cas, voilà, c'est que mon avis. Mais dites-moi en commentaire si vous êtes du même avis. Et pour terminer, comme vous l'avez vu à l'écran, il y a aussi une outro, mais cette fois-ci c'est pas lui qui l'a fait, c'est moi, je me la suis faite moi-même, j'ai juste réutilisé donc le logo logique qui m'a fait, et j'ai improvisé pour me faire ma propre outro avec mes propres moyens, donc dites-moi si vous la kiffez, c'est très important pour moi, et pour ceux qui désirent que je réalise une outroduction, c'est-à-dire l'image qui est à la fin de la vidéo, pour vraiment pas cher du tout aussi, contactez-moi sur Facebook et Twitter, et je pourrai vous la faire. Voilà les perroquets, comme vous le voyez, cette année 2016 commence très très bien avec l'arrivée de ce design et de beaucoup d'idées et de projets que j'ai dans ma tête avec beaucoup de potos de YouTube. J'espère que ça t'a plu, toi qui regardes cette vidéo. En tout cas, si t'as kiffé, tu peux lâcher un pouce bleu. De toute manière, t'as pas le choix, t'es obligé. Sinon, j'appelle Trevor pour qu'il s'occupe de toi. Et pourquoi pas un commentaire et un partage pour montrer à tous tes potes qui, j'en suis sûr, vont kiffer aussi. Et moi, je vous dis à très bientôt. Je te dis à très bientôt. Bonne année 2016, ciao.